YouTube, Eric Le Gog et la Go Musique. Je vais pas m'aventurer à essayer de chanter là-dessus parce que ça va faire de la merde, vraiment. Donc, Big Jet Plane, la famille Stone, là. Il y a 6 accords, une rythmique qui est ultra simple de la mort, et la structure qui est pas extrêmement difficile non plus, mais qui a quand même 2-3 petites choses à bien repérer. Donc, on voit tout de suite le détail pour les accords d'abord, et la rythmique ensuite. Alors donc, pour les accords, on a un Do majeur. Alors, Do majeur, troisième case de La, deuxième case de Ré, première case de Si. Ou bien, regardez, le petit schéma qui s'affiche là. J'adore. Alors, Do. Ensuite, La mineur. Donc, entre Do et La mineur, il n'y a que ce doigt-là qui bouge, qui part de la troisième case de La pour se retrouver en deuxième case de Sol. Ensuite, Mi mineur, hyper simple. Donc les deux doigts du La mineur qui étaient là bougent une case vers vous, une corde vers vous, pardon. Le troisième accord, c'est un Sol majeur, qu'on n'est pas obligé de faire en position, en grosse position. La grosse position étant 3, 2, 3, 3 des deux dernières cordes. Vous pouvez éventuellement ne faire que ça, c'est-à-dire la basse, troisième case et deuxième case. Donc en venant du Mi mineur, c'est simple, ça ferait ça, et ensuite ça. Parce que de toute façon, dans le morceau, on ne grattera pas les 6 cordes. On ne grattera que les 2 ou 3 premières cordes pour avoir un petit son de basse, comme ça. L'accord qui servira de transition, là, de pont, c'est l'accord de Fa majeur 7. J'arrive pas à tenir ma guitare aujourd'hui. Hop. Alors, Fa majeur 7, c'est la petite diagonale. Première case, deuxième case, troisième case, en partant des cordes respectivement de Si, Sol et Ré. Et l'accord, à nouveau, de Mi mineur. Donc, non. Ça n'en fait donc que 5. Voilà, et bien maintenant, la rythmique et la structure. Alors dans ce morceau, on va trouver 4 parties. Une intro, un couplet, un pré-refrain, un refrain et un pont. Donc les 4 parties en séparé. Alors ce qui sert d'intro et de couplet, c'est la partie qui fait Do, La mineur, Mi mineur. Voilà. Donc on va avoir une mesure de Do, une mesure de La mineur, 2 mesures de Mi mineur. Ok ? Donc, pour la rythmique, alors, c'est cool, c'est que des coups vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est des croches, on en fait 8 par mesure. Donc, on fera 8 croches sur Do, 8 croches sur La mineur et 16 croches sur le Mi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ça, on a un sacré paquet de fois. On a 2 fois pour l'intro et 3 fois pour le couplet. Donc, on a cette boucle là 5 fois de suite, ok. À la main droite, on va essayer de muter un petit peu, c'est-à-dire on va poser la paume de la main là, cette partie là au niveau du chevalet, donc la barre blanche là, ou noire, enfin peu importe la couleur, et vous la placez vraiment à la basse, donc pas trop dans les cordes sinon on n'entend rien, vraiment au niveau du chevalet, du talon, la claque. Alors je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous voulez que ce soit un peu rythmique, vous pouvez faire éventuellement poser des petits accents sur le 1, 2, 3, sur le 1, le 4 et le 7. La première, la quatrième et la septième croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Ce sera tout le temps ça. Je vais arrêter avec les hoquets, okay, là, c'est chiant. Le pré-refrain, c'est presque pareil. On a une mesure de Do, une mesure de La, une mesure de Mi, une mesure de Sol. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout. Donc, on a 5 fois Do, La, Mi mineur, Mi mineur. Une fois Do, La, Mi mineur, Sol. Donc là, on a fait intro, couplet, pré-refrain. Et on attaque le refrain. Qui tourne, en fait, autour des deux trucs que je vous montrais. Il y a juste un petit changement en fait. On a une ligne en Do, La mineur, Mi mineur, Mi mineur encore, deuxième tiers, Do, La mineur, Mi mineur, et Sol ce coup-là, troisième tiers, toujours du refrain, La mineur, et Mi mineur, et Re Mi mineur. Voilà. Donc je vous
Ouais, je vais peut-être pas. Si je veux faire une fois chaque partie pour vous concertiez bien du truc, la seule chose qui change en fait là pour l'instant, c'est une fois on a deux fois mi mineur, et la fois d'après on a une fois mi mineur, une fois sol. Voilà, à la limite, même si vous le changez pas au bon endroit, c'est pas bien grave. Hein. Mi mineur et sol sont des accords qu'on appelle des substitutions diatoniques. Voilà, c'est le petit terme sympathique qu'on peut ressortir à table, ça fait toujours bien. Donc, une fois l'intro, une fois le couplet, une fois après le refrain. Et une fois le refrain. Intro. C'est là que ça change. C'est-à-dire, au lieu de rester 8 ou 16 fois sur le mi, on va faire le sol maintenant. Et le refrain. Placer enfin le Fa majeur 7 là, la petite diagonale. Donc la partie du pont elle fait une mesure de Fa, une mesure de Mi, deux mesures de La mineur. Alors là on a le choix, cette partie là le pont est joué 4 fois d'affilée avant de revenir sur le refrain. Donc là on peut éventuellement faire des breaks, c'est-à-dire on compte les bicroches dans sa tête et on gratte que la première en fait. Et là, on peut gratter cette fois-ci les 6 cordes. Et on mute plus. Donc ça, a priori, on l'a 4 fois. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est sur la quatrième fois de ce passage-là, reprendre en 8 croches par mesure. Donc je fais une fois le pont avec une attaque par mesure et une fois le pont avec 8 croches dans la mesure pour redynamiser afin de relancer le refrain après. C'est bien dit, hein. Alors encore une fois, le pont donc. 2, 4, 5, 6, 7, 8. On devrait le faire encore deux fois comme ça, j'attaque directement les croches. Faites après comme vous voulez, vous pouvez démuter complètement et garder juste la pulsation histoire d'ouvrir vraiment le son comme ça et d'avoir une bonne projection. Et par contre, n'oubliez pas, à mon avis, de placer toujours les accents sur le 1, 4 et 7. C'est vraiment important pour avoir une espèce de pulsation comme ça qui maintient le truc. Par contre, je me rends compte que ça se joue avec un capodastre à la première case. Je ne l'ai pas sous la main, j'aurais dû le préparer, je ne l'ai pas fait, vous m'excuserez, désolé. Voilà, donc, eh ben on a tout vu. Je peux vous filer la structure, je l'ai tout noté pour une fois. Alors, oh non, vous écoutez et vous vous débrouillez. Là, je vous ai montré tout d'un bloc, après, c'est juste reprendre à un endroit ou à un autre. De toute façon, soit c'est un pont en gros, soit c'est la grille qui fait Do, La mineur, Mi, Mi, ou Do, La mineur, Mi, Sol. Voilà, vous pourrez très bien vous débrouiller. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.